Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors c'est l'unboxing de The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Donc voilà, c'est un deck qui est sorti en début d'année 2016 et on va vous le présenter donc sans plus attendre. Alors comme d'habitude, il est composé donc du deck avec le lot devant, le petit playbook qui explique toutes les règles. Le feuillet avec les règles simplifiées et le terrain bien sûr, donc on va présenter ça tout en détail. Alors on va prendre donc en premier le terrain, on va vite fait l'ouvrir pour vous montrer en fait le verso qui parle un peu des cartes et du gameplay de ce deck. On a le petit livre de règles et donc on va passer directement au deck sans plus attendre. Alors on a donc 4 fois Haruhi Suzumiya. Avec la première qui est en holo. Bien sûr. Voilà. On enchaîne donc avec 4 fois Flower in Both Hands Haruhi. Donc en fait, on voit que c'est dans ce deck, c'est souvent le même personnage qui va revenir. Là, on a Haruhi et Mikuru Inukata. Donc on a en 2 fois. On a ensuite 2 fois Vocaliste Haruhi. On a maintenant après 4 tiers Haruhi en 2 exemplaires. Donc bon, les images sont un petit peu subjectives parfois, mais bon, avec un manga de la sorte, on s'y attend. Maintenant, on a 2 Haruhi's Victory's Declaration de niveau 2, avec un grand effet que vous retrouverez en description de la vidéo sur notre site. Là, vous avez 4 fois Party Popper à Haruhi qui a quand même 2 sols, ce qui n'est pas mal du tout. Donc ça peut être vraiment un avantage dans ce deck. Là maintenant on a deux Trouble Girl à Haruhi qui a également 2 sols et 10 000 de puissance, ce qui n'est pas mal du tout. Alors là on a les climax, on a 2 Burst of SOS Brigade. Et ensuite on a 3 climax Someday in the Rain. Donc c'est pas commun, en général on a plutôt des climax par 2 ou 4, mais là c'est par 3. Donc on a également 2 Xmas Party Nagato, qui sont des cartes de soutien. On a 4 Cat Ears Nagato. On a également ici 2 Nagato Eating Watermelon. Voilà, un nom très représentatif. On a 4 Swimsuit Haruhi et Nagato. Enfin, les cartes en 4 exemplaires également de Hot Spring. Et on finit avec encore quelques cartes. Ici, on a Release of Farfobation Binding en 2 exemplaires. On a About Me, I Will Tell You comme climax. Et les deux cartes qui sont indépendantes, on a Usual Haruhi Mikuru. Et pour terminer cet opening, on a l'Usual Nagato. Alors, merci d'avoir suivi l'unboxing de The Melancholy of Haruhi Suzumiya et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Cause when I'm not there, I know you can't wait.